Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grand Theft Auto San Andreas remasterisé, comme vous pouvez voir, avec deux nouvelles voitures, une nouvelle texture au niveau de la route et des trottoirs et au niveau des PNJ qui sont absolument magnifiques. Comme vous pouvez voir, même les voitures, même la police, même les voitures de flics, regardez, c'est absolument formidable. Alors oui, je m'étais arrêté dernière vidéo dans une ferme, mais là en fait, non, j'ai fait la dernière mission de Trust, je sais pas quoi, en croyant que j'étais en train d'enregistrer, mais en fait le jeu avait planté, donc heureusement pour moi, j'ai coupé et j'ai vu que ça s'était pas enregistré. Donc on a raté une mission, mais c'était pas une mission. C'était une mission où il fallait brûler de l'herbe avec un lance-flamme et puis après faire la route jusqu'à San Piero. Donc nous voici, et j'avais même pas remarqué là-bas. Regardez, on va même boire un Coca-Cola dans GTA San Andreas. Regardez, hop, petit Coca. Ah, par contre, la boîte elle est verte. Ok, on va en boire un troisième. Un troisième. On va aller voir dans la gare. Oh, le délire! Alors, vous avez entendu ça? On n'entendait pas avant au niveau de la gare l'annonce d'un train qui va rentrer en gare ou quoi. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment bien fait. Même les quais ont été refaits. On va peut-être voir le train qui va arriver. Ah non. On va pas le voir, je pense. Bon, écoutez, de toute façon, tout au long de cet épisode, nous allons regarder un peu comment c'est fait et tout. Le moteur, il est vraiment génial. Il a dû passer du temps pour refaire tout, pour le refaire entièrement. En tout cas, ça fait plaisir de rejouer un jeu comme ça. Ah, d'accord. Il n'y a pas de train qui arrive en fait. Hein. Bon, ça c'est un peu mal fait. Mais bon, on ne peut pas lui reprocher. Donc voilà, bon, on va continuer un petit peu l'émission ensemble. Tout au long de cet épisode 10, remasterisé bien sûr, et on va se taire pour écouter la cinématique. Motherfucker! That mute asshole, that fucking snake without a tongue, gave me this shithole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Holmes, take it easy. At least we're alive. Carl, friend. Hello, traveler. Relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name. And for once, I try to make something work, this garage. And it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here is fantastic. Oh. Yeah, all right. But how am I gonna find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people, I swear it. Oh, man, I'm about to cry with this fool again. Comme vous avez pu remarquer, même les personnages ont changé. La texture du sol, même du garage, a changé. Bon, le garage est toujours est pourri, certes, mais
We'll pick up Jethro first. Last I heard, he was working at a garage over in East Basin. Mais franchement, sérieusement, c'est vraiment magnifique. Même la minima, enfin, si vous pouvez la regarder, hop, allez, ils ont tout refait. Franchement, ils ont vraiment, ils ont dû mettre pas mal de temps pour tout, pour refaire tout le jeu. Et je sais pas si vous avez remarqué, au niveau du menu, c'est les mêmes sons que dans GTA 4. C'est les mêmes sons. En tout cas, moi, j'ai hâte d'aller visiter Las Venturas. Ils ont peut-être mis la tour Eiffel. Bon, après, on va peut-être pas abuser. Hein. C'est qu'un jeu. Hein. Hein, peut-être, parce qu'ils ont remodélisé aussi des immeubles et tout. Donc... Quand un truc, la minimap bug un peu des moments, mais bon, ça c'est pas très grave. J'en veux pas. Au modeur. Ah. Polar bears. Yeah, go figure. But they were funny guys, man. Great sense of humor. This here's Vietnamese gang territory. Dang boys, shining razors, butterfly children. Watch yourself, dude. These cats are real serious. Just, tu as trouvé un nouveau boulot? Ah oui, c'est quoi? Tu vas travailler dans le gaz. Allez. Hey, Jethro. Hop in, man. I've landed you a real job. Hey there, Truth Dude. Oh, man. Do I owe you? Because I swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. I think. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District, west of here. Yeah. You sick? No. The government is. But that's a long story. So, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doherty by the waste grant. You know. Car mods, low riders, all that shit. Damn. Well, do polar bears shit in the woods? No, but they've been known to shit in the woods. Niveau de l'hôpital que le jeu a planté tout à l'heure. Donc en espérant que là, il ne plante pas. Ça me ferait mal au cul quand même. Et même la route et tout, franchement, ils ont tout bien refait. On essaiera de faire peut-être une visite guidée. Je ferai une vidéo avec une visite guidée de ce nouveau San Andreas remasterisé version modée. Bah même ils l'ont refait pour la Xbox 360. Là ils l'ont refait il n'y a pas longtemps avec GTA Vice City pour la PS4 avec toute la collection de GTA. Et bien sur PC, nous aussi, grâce au mod, on a droit à un renouveau. J'espère que ça va planter. Priez pour moi, s'il vous plaît. Putain, pourquoi ça plante? En fait, non, le jeu, il bug pas. Hein. En fait, non, le jeu ne bug pas du tout. C'est juste que... Il faut peut-être attendre, donc... J'entends des sirènes. Je peux pas bouger la caméra, c'est bizarre. Non, le jeu là. Lenté. Je crois. Écoutez, je vais mettre en pause et je vous reprends dans quelques instants. Eh bien, de retour. Je suis de retour après un magnifique plantage
Donc, oui, ce n'est pas officiel ce mode. Donc, les créateurs, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Mais ça peut planter à certains modes comme celui-là. Donc, j'en veux pas ni rien. C'est juste que ça plante à la mission, là. Que vous avez vu il y a quelques instants. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai pris une sauvegarde qui était avec ce mode qui était fini à 100% pour que nous puissions continuer un peu cette vidéo et visiter la ville de Las Ventiras qui est magnifique également. Alors, regardez les textures et tout. C'est vraiment super bien. Et nous allons aller rentrer dans un casino qui s'appelle Ah, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin bref. On va aller visiter. Peut-être qu'ils ont vraiment tout bien refait aussi. Allez, hop. Puis on va peut-être aller jouer. Ah, tu veux faire une petite partie de poker. Caligula, voilà. Wow! Ah, les PNJ, avant il n'y avait personne ici. Maintenant il y a du monde, vous avez vu? C'est vraiment magnifique. Sauf que, à part, ils tournent en rond, mais bon, c'est pas très grave. Bon, écoutez, dans ce casino, rien n'a changé du tout. C'est toujours. Ah, si, des croupières, si. Ah, ouais, les croupes. Alors, il y a des femmes. Il y a des hommes aussi qui jouent. Donc, nous on va jouer à ça. Allez hop, faire tourner la roulette, vous allez voir. Hop là. Merde, je vais aller sur elle-même. Black 35. Ouais, bon, ouais. Va te faire enculer. Vous vous rappelez de ça? Coucou, c'est pour un rappel. Wow, c'est vraiment bien fait. Même les flags, putain. Le bruitage. Il a même changé le bruitage. Franchement, c'est vraiment trop bien. Même comment ils tombent les personnages, regardez. Regardez, il est où lui. Regardez, il fait un tourniquet sur lui-même. C'est stylé quand même. Je vais vous faire une tuerie dans le casino, vous allez voir. Surtout qu'on peut monter à l'étage dans celui-là. Appartement de luxe. Ouais, bon. C'est pas vraiment de luxe. Ça, c'est tout vide. Franchement, ouais, là, ils auraient pu modéliser aussi ici. Mais bon, après, c'est qu'un mode. C'est pas ça qu'il a fait. Normalement, il y a un parachute quelque part. Si je me souviens bien. Oh là là, hop là, tac. Bon. Vous entendez, Nico? Vous avez pu l'entendre. Regardez l'explosion. Magnifique. Regardez. Allez, ouais.
que j'ai pas de parachute et à cet épisode, je crois que je vais mourir. Bon, bah, on va essayer de voir. Faudrait que toi t'as rien à rien. Bon, je suis tombé, mais je suis pas mort. Juste refaire un petit peu les codes de vie. Regardez, pour cette fin de vidéo, on va faire un putain de carnage. Regardez. Regardez. Ah, ça dégage. Dégage, tout va péter, ça va péter. Oh putain, je vais mourir. Six étoiles. Bah ouais, bah y'a les tanks qui vont arriver. Ça, c'est cool. Ah, même... Ah, si, ils ont rénové, ça se voit. Alors... C'est à droite, là, tout ça. Il va y aller. Oh, putain, il va mourir. Et ça part vite, la vie, quand même. Ah, viens ici, viens ici. Oh, allez. Non, 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 c'est ça. On va se quitter sur une fin de vidéo. Complètement triste. Car nous sommes morts. Mais bon, ce n'est pas très grave. Nous allons... Nous, on peut aller où? Pour conclure... Non, pas dans le désert, c'est mort. Il y avait une petite boîte quelque part. Tiens, on va aller voir, on va aller voir elle. On va aller voir notre femme. Attendez. Si elle est là, j'espère en tout cas. Qu'elle est là à certaines périodes. J'aimerais avoir une voiture, s'il vous plaît. Bon, allez, on va prendre l'ambulance, tant pis. Allez, hop. Il s'est passé, s'il vous plaît. On va t'as qu'à bouger. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus d'armes. J'ai plus rien. Regardez ce que je disais tout à l'heure.
McDonald's. Bon, perso, je préfère le vrai McDonald's. Bougez-vous, bougez-vous. Urgence, s'il vous plaît. Je dois aller voir un chat. Elle a pas l'air d'être là. Oh, dans ces appartements-là, on peut pas rentrer. Ta meuf, il peut encore rentrer si elle revient plus tard. Ok, bon, bah, on va revenir ce soir. On va acheter une petite baraque pas loin. Tranquillement, tranquille. Détendu. Allez, hop. Allez. On a une pas loin de maison, normalement. Qui est vraiment sympathique. Voilà, tranquille. Putain, vous êtes qu'à bouger, putain de merde. Bon. On va voler la voiture du voisin. Là, tac, on va pas s'emmerder, on va la mettre dans notre garage. Hop. Là, elle est bien en plus. Magnifique voiture. Bon, allez, tac, hop. On s'en bat les couilles un petit peu. On s'en fout. On s'en bat les couilles, non. Ah. Oh là là. Oh putain. Ah, la baraque que je me paye. Par contre, il y a un petit problème, il y a le feu là. Bon. Bon, allez. Eh, c'est les mêmes, le même truc que... Regardez. Mais c'est magnifique. Bon, j'espère que dans le prochain épisode, j'aurai réussi à débloquer l'émission pour voir la suite. Pour pouvoir faire la suite de ce let's play. Là, on découvre un peu le mode. On est à l'étage. C'est les mêmes murs que dans GTA Vice City. Oh, et puis là, chambre. Oh là là. Avec un ordinateur, un ordi. Tout tranquille, tout va bien. Une penderie, bien sûr. Là, on a vu que c'est la salle de bain. Ouais, la salle de bain, pas terrible, hein, mais bon. C'est pas grave. Allez, on va aller voir l'autre midi. Oh putain, j'ai failli faire une connerie. Et on va aller voir, pour cette fin de vidéo, on va aller voir Las Venturas en pleine nuit. Attends, dans la maison là, je peux rentrer? Ah, il y a des maisons, je peux pas rentrer. Il y a des maisons, je peux rentrer. Quoi, c'est beau ici. Alors, on va visiter un peu. Il n'y a rien à voler ici. Merde. Bon. Hop, les intérieurs et tout. On peut rentrer dans tous ou pas? Est-ce qu'on peut rentrer dans toutes les maisons? Celle-là, il n'y a pas... Ah, c'est une porte, ouais. On peut rentrer dans quelques maisons. Bon, ça, c'est bien. Bon, allez, allons-y. Assez discuté. On va voir Minnie. Avec notre belle voiture. Qu'on a volée au voisin. Ah, elle est abîmée, je peux plus la prendre. Ah, tu tournes bien, toi. Ou toi, là, derrière, c'est mieux. Ou toi, là, derrière, oui, c'est largement mieux, toi, derrière. Elle est carrément plus belle.
Allez, dégage. Putain, par contre, le jeu plante un peu là, hein, j'ai l'impression. On j'abîme aussi. C'est pas grave. Allez, calme, mec. Ouh là 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 là. Ça a l'air beau. On va aller voir Millie. Est-ce qu'elle est là? Merde, elle est pas là. Ah, c'est elle est là. Elle est là, Millie. On va aller la voir. Elle se fout ma gueule ou quoi? Ça va être sûr là. Bon bah Millie n'est pas encore entrée alors qu'elle était là il y a 5 minutes, même pas, mais bon. Ok, bon. J'ai compris. On la verra dans la seconde partie de cette redécouverte de GTA San Andreas avec le mode. Oui, parce que en fait ce sera une vidéo redécouverte. Donc on va aller pour conclure cette vidéo, on va aller à un endroit qui me fait tourner bruit. Et on la verra dans la seconde partie. Si j'en fais une, bien sûr. Que j'aimerais bien débloquer la mission en fait. Ah, you asshole, my shit. En fait, je sais qu'il y a un truc pas loin ici. Oh, j'aime bien cette voiture-là. Ah, me l'avait bousillé, là. Oh, en plus bleu comme ça, c'est ma couleur préférée. Ouais. Allez, dégage. Voilà, ça, c'est ma voiture. Donc. Il n'y a rien qui change, hein, ici. On parle du ciel, les palmiers et tout. Mais non, il n'y a rien qui change. Donc, bah, on va s'arrêter là. Pour cette vidéo, on va s'arrêter ici. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, malgré si le let's play a bugué. Mais ça, sachez que bon, bah, c'est pas trop de ma faute. Donc voilà. Voilà. Donc, n'oubliez pas de laisser un petit like ou un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à venir vous abonner si vous voulez voir la suite de ces épisodes sur tous ces jeux que je fais en ce moment. Assassin's Creed Unity devrait revenir dans pas longtemps. Ah, je vais le refaire dans vraiment pas longtemps. Et j'ai niqué la voiture. Ma voiture préférée, je l'ai niqué. Et non, j'ai pas niqué. Ah, c'est bon. Donc voilà, on va refaire, on va aller voir si elle est là, par hasard. Ah, elle est pas là, bon on s'en fout, allez. Oui, donc je disais Assassin's Creed Unity devrait revenir dans pas longtemps sur ma chaîne. Faut juste que je le re-télécharge. Et ben en fait, je vais attendre pour finir quelques jeux avant de le recommencer. Sachez que bon, bah. Putain, ta mère, toi. Attends, comment on fait? Putain, ouais, j'ai bizarre. Wow, 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 wow!
Hey, ma bagnole. Hey, tu me niques, man. Ouais, viens, déf. Oh, l'enculé. De plus, mon bagnole, je vais me venger. Eh hey, quoi, c'est moi qui prends. C'est moi qui prends. T'es sérieux, là? Enfin, graisse au coup de couteau, moi. J'en fais le coup. Niquer ma belle voiture que j'avais. On va écouter. Ah, mon voisin en a racheté une. On va lui voler. On ira changer la couleur plus tard. Voilà. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut tout le monde. Bye.